Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à Gerstheim pour la toute première élection de Miss Noël en ce 3 décembre 2011. Avec la deuxième dauphine de la toute première élection de Miss Noël de Gerstheim. Donc Cindy, quelles sont tes impressions? On va dire un peu choquée du classement. Je pensais pas être dans les trois premières, parce qu'il y avait de très belles filles quand même. Et pour une première ici dans cette commune, franchement, c'est une très très belle soirée. Et je les félicite tous. Cindy, à cette élection, qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce que tu as retenu? La complicité avec les filles et autant de monde pour une première soirée. Et si on te proposait de retenter l'expérience, est-ce que tu le ferais? Oui, et je le recommande. Je remercie tout le monde qui m'a soutenu, et merci au jury, et merci à tout le monde. Merci à toi en tout cas. Passons à présent à la première dauphine, Alexia. Donc quelles sont tes impressions à la suite de cette élection? Je ne m'y attendais pas du tout, je suis très honorée d'être ce soir première dauphine de Miss Noël pour la première élection de Miss Noël 2011. Et qu'est-ce que tu as retenu de cette soirée? Ce que j'ai retenu de cette soirée, c'est des moments très agréables, des personnes très sympathiques et de très beaux cadeaux. Et si tu avais un conseil à donner aux futures éventuelles candidates, ce serait lequel? Ce serait de rester simple, naturel et surtout de s'amuser lors des élections et de pas trop en faire et de pas surjouer. C'était pas ta première élection, je pense. Non, c'est pas ma première, effectivement, et j'ai encore un titre une fois de plus, donc je remercie les organisateurs de l'élection et puis je souhaite bonne chance au futur Miss Noël 2012. Mais voilà, enfin, avec notre chère Miss Noël de Gerstheim 2011, donc la toute première. Donc je te laisse te présenter. Je m'appelle Émilie, j'ai 19 ans, je suis étudiante en droit à Sarreguemines. Sexy and I know it. Qu'est-ce qui t'a motivé à te présenter à cette élection? C'est déjà une opportunité parce que dans ma région, il n'y a pas d'élection comme ça et que c'est aussi une élection unique, donc très motivante. Et tes impressions à cette soirée, quelles sont-elles? C'est très sympa et le public nous a mis tous à l'aise. Il n'y a pas eu de mauvaise ambiance et tout s'est passé très bien. Et si tu avais un conseil à donner aux éventuelles prochaines candidates de l'an prochain, quel serait-il? Surtout rester naturel et prendre le plus de plaisir possible. Et dans tout ça, est-ce que c'est ta première élection? C'est la première professionnelle, sinon c'est des petites élections.